Aujourd'hui, on fait un programme de 3 exercices pour retrouver, augmenter ou maintenir la force de vos muscles fessiers. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercices. En position debout, en appui sur la jambe gauche, la jambe droite tendue et tournée en rotation externe, vous effectuez un mouvement d'abduction, comme vous le voyez à l'écran, lentement, de façon à contracter les muscles fessiers. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Si nécessaire, vous pouvez placer vos mains sur le mur, comme je le fais en ce moment, pour assurer votre équilibre. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, donc en appui sur la jambe droite, et la jambe gauche est placée en rotation externe et en extension, et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran, et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Couché sur le côté gauche, la jambe droite avancée et tournée en rotation interne, vous levez la jambe le plus haut possible dans votre propre limite articulaire et vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non pas de votre bassin ou de votre dos. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Vous avancez la jambe gauche, vous la tournez en rotation interne et vous levez votre jambe le plus haut possible dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non de votre bassin ou de votre dos. Thank you.
et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez des fentes latérales, c'est-à-dire que vous placez votre pied légèrement sur le côté, légèrement vers l'avant, et vous effectuez une flexion du genou. Et vous alternez entre le côté gauche et le côté droit en respirant librement. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes en maintenant un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont publiés un peu partout à travers le monde, notamment en France, et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous puissiez vous les procurer facilement, notamment à la Librairie du Québec à Paris, sur leur site web ou en personne. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt! We'll be right back.